beaucoup Marquet, on est en plateau avec Emma Aziza, vous êtes hydrologue et vous êtes aussi experte en adaptation face au changement climatique. Justement, est-ce que, alors aujourd'hui on voit qu'il y a un épisode de sécheresse aussi en France qui accompagne justement ces chaleurs, est-ce qu'on est exposé à en voir de plus en plus ? Clairement, en fait, depuis 2014 jusqu'à 2017, on a vu vraiment une tendance très nette avec des niveaux de sécheresse de plus en plus importantes. Et puis de 2017 à aujourd'hui, en fait, là, on bat carrément des records. Chaque année, on a des scénarios totalement différents. L'année dernière et les années précédentes, c'était souvent des états caniculaires qui faisaient basculer la France dans des états de sécheresse. Parfois, sur l'année, par exemple, 2017, c'est carrément toute l'année qui a été déficitaire en eau. Là, cette année, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on a débuté un printemps où les masses d'eau étaient plutôt bien remplies, si vous voulez, en France. Donc, en fait, la recharge était faite dans nos milieux souterrains. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux épisodes. Le premier, en fait, a commencé le jour du confinement et a terminé le jour de la sortie du confinement. Oui, il a fait très, on très a beau. Très bien vu qu'il a fait chaud avec des vents extrêmement secs et des températures supérieures à la normale. Et puis, on s'est dit qu'au mois de juin, avec des pluviométries assez importantes, on allait permettre de recharger les nappes. Le problème, c'est qu'on a fait face à un mois de juillet extrêmement déficitaire en eau. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a trois niveaux de sécheresse. Si vous voulez, la première sécheresse, c'est la sécheresse qui vient du ciel. On n'a plus de pluie. La deuxième sécheresse, c'est vraiment cette sécheresse des sols qu'on appelle agricole, parce que c'est souvent le monde agricole qui est d'ailleurs le premier touché. Et puis, vous avez cette sécheresse souterraine. Et là, on se rend compte que les trois commencent à se produire. Et donc, ces températures qui arrivent, même ce sont des pics, en fait, de chaleur qui se produisent sur une journée, suffisent à faire basculer déjà une situation qui est très limite, si vous voulez. Et ça a énormément de conséquences en France, tout simplement parce que moins d'eau veut dire potentiellement moins d'approvisionnement dans les villes en France, veut dire aussi des pollutions potentielles qui sont extrêmement importantes. On sait que moins on a d'eau, moins la qualité risque d'être bonne. Donc des pollutions aux nitrates, aux pesticides, et justement qui viennent appauvrir complètement les sols et les niveaux des nappes. Donc d'ailleurs, certaines nappes en France, certaines zones, si vous voulez, de captage sont fermées, non pas parce qu'elles manquent d'eau, bien qu'elles soient très basses, mais parce que la qualité de l'eau n'est pas nécessaire. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à gérer sur cet état de sécheresse qui C'est une description un peu apocalyptique que vous nous écrivez, mais enfin en même temps qui est très concrète. Vous êtes aussi spécialiste, vous, de comment on s'adapte à tout ça, comment on fait pour s'adapter, comment adapter les cultures, comment nous adapter, nous, tout simplement à ces sécheresses qui sont malheureusement assez récurrentes désormais. Alors parfois, il faut aller voir ailleurs comment ça se passe pour essayer de comprendre s'il y a des bons exemples qui se produisent ailleurs. Je pense par exemple à l'Espagne ou à Israël qui, derrière, sont des pays arides qui utilisent justement des agricultures qui vont complètement s'adapter, voire même dans des zones où on a ce qu'on appelle des biseaux salés, c'est-à-dire que les eaux souterraines sont salées et malgré tout, on arrive à faire pousser des plantes. Ça, c'est pour le côté agricole. Ensuite, pour le côté domestique, ce qu'il faut absolument à l'échelle des villes, c'est éviter de tirer dans la nappe, c'est-à-dire de tirer dans nos ressources trop fort pour qu'on arrive justement, qu'on n'arrive pas à des situations de blocage extrême comme le fait qu'on puisse plus arroser son jardin, sa piscine, voire même qu'on se fasse alimenter par camion-citerne. Et là encore, il existe énormément de solutions pour des économies d'eau. Il faut les apprendre systématiquement à l'école, transmettre ça par des grands plans de communication auprès des populations, parce que les solutions, elles existent depuis notre robinet à notre toilette, en passant par l'intégralité. Voilà, l'intégralité de récupération des eaux de pluie dans notre jardin. En fait, il y a énormément de solutions. Faut-il encore les mettre en place? Et là, de manière massive, parce que les choses sont de plus en plus problématiques. Justement, vous nous dites que ces épisodes de sécheresse se multiplient, qu'on connaît des solutions pour s'adapter. Est-ce que ces solutions, elles sont bien mises en œuvre en France aujourd'hui? Pas encore complètement. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. À faire le passer le message au Conseil de défense écologique. En fait, c'est peut-être un vrai problème et qu'il faut se poser aujourd'hui de manière très claire. C'est qu'on parle beaucoup de climat. On en parle beaucoup en regardant l'atmosphère et en regardant des projections climatiques à 2050. Le problème, c'est qu'on a déjà des résultats très concrets sur nos territoires et qu'il faut s'adapter ici et maintenant, tout de suite, et qu'il y a des solutions à mettre en œuvre. Merci Emma Aziza de nous avoir apporté cette analyse.